au niveau du système de notation, le Taj Mahal est quelque chose qui vous propose un système de notation assez juste. Vous avez une question, 5 réponses possibles. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a qu'une seule bonne réponse. La mauvaise nouvelle, c'est que si vous répondez mal, vous avez des points négatifs. Donc il faut toujours savoir jongler entre est-ce que je sais vraiment la réponse, auquel cas je réponds, est-ce que je pense que c'est la bonne réponse, auquel cas j'ai le choix de répondre ou de ne pas répondre, ou alors je ne connais rien à cette question, et dans ce cas-là, je ne réponds pas du tout.